la bêta. Ça finit demain, je crois, donc. Mais je sais plus à quelle heure, on va dire que c'est dans les jours. Hop là. Ça va être rapide, hein, genre une demi-heure, juste un petit truc à faire dessus. Je voulais voir quelque chose. Hop là, boum. Et ensuite, on va aller faire donc du Warhaven pour le coup. Et voilà. Ah, plaisir les allergies. Alors. Je voulais monter au moins un personnage niveau 40 en fait. Je voulais monter Ajax 40. Please give your feedback. Crossplop et bêta, pas de soucis. Monter Ajax 40 en fait pour voir s'il n'y a pas une récompense de bêta dessus. Parce qu'il y avait une récompense niveau 20, il y a peut-être une récompense niveau 40 aussi. Hein. À tester. Salut demain! Et donc, ouais, on va continuer Warhaven, hein, qui est très sympa pour le coup. Je suis pas trop jeu PvP d'habitude, mais là, c'est quand même bien sympathique. Alors, c'est parti. Donc, c'est vrai que j'ai toujours pas réussi à tomber le boss. Ça, on va passer 40 allez, avant d'aller affronter le boss. Et oui, t'es une récompense 40 pour chaque perso pour la release du jeu? Je suis pas sûr si on parle de la même chose. Alors. Ah, j'ai eu encore un nouveau skin pour Bunny. Oh, bordel. Ok. Ah ouais, ils nous ont filé. D'accord. Ouais, ils nous ont filé crédit et thunes à l'infini, Lucas. Globalement, hein. J'exagère un peu, mais c'est l'idée. Dans First Descendant, là, ils ont été cool. Pour les derniers jours de la bêta, ils ont filé thunes et crédit infini, globalement. Si on voulait tester encore un dernier truc, ok. Bon, ça donne envie d'ailleurs. Parce que ouais, ils m'ont filé 1 million de crédits. 1 million de thunes, plein de crédits. Des trucs pour booster les armes et tout, donc c'est. C'est pas mal. Je crois qu'elle était là. Je sais plus si la cam avait un truc. Bon, là, c'est là pour l'instant. Alors, bah écoute, on va passer 40 et on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que j'ai qui va essayer de valider? Ah oui, Phase Exchanger. Est-ce qu'il y avait des personnages? Attendez, que je voulais crafter. Voyons voir. Valby, Blair, Charen. Je m'en fous vraiment. Viessa, je l'ai faite au final. Les pics. À la limite, on peut faire Jabber avec les tourelles. On va faire le Jabber Code. Enfin, Jabber. On va le crafter. Et comme ça, voilà pour le dernier jour. Je vous dis, ils ont été très généreux là pour le coup. Vraiment, une bêta pour le coup. Sur le principe de la bêta, ils ont tout compris. Sur ce qu'on, pour qu'on teste en fait des choses vraiment en se faisant plaisir. Pour moi, ils ont vraiment tout compris. Hein. C'est impressionnant. Voilà. Hop, on va booster la recherche. Ok, impeccable. C'est comme ça hein, que doit être fait une bêta. Et c'est bien qu'il l'ait compris. Voilà. Ce qu'après, j'aurais bien aimé tester les ultimates, mais c'est pas faisable. Vilebiche, pas plus chaud que ça. Viez ça. Bah, Kayn, mais bon, Kayn, j'ai pas les compos. Il manque toujours le semi. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Ça, sinon j'aurais quasiment pu tout tester, hein. Valby m'intéresse pas. Les pics et Charen non plus. Freyna en vrai pourquoi pas la meuf de poison, je serais curieux. En vrai, je serais presque curieux de la meuf de poison. À voir. Ok, donc on va vite fait aller faire. Hop, avec Ajax, on va les passer niveau 40. Voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si on parle des mêmes récompenses et de risques pour ça. Dans le doute, on va aller voir. Let's go. Alors, c'est parti. Et je sais qu'il fallait que je fasse un tuto aussi sur les Amorphous Material. Parce que pas mal de gens n'avaient pas compris. Jusqu'à j'ai vu ça sur YouTube et TikTok. Ils n'ont pas forcément compris comment les ouvrir. Ce que je comprends, c'est pas forcément très très clair. Mon son du jeu est très faible. Pour vous, il est comment le son du jeu? Chez moi, il est vraiment très très faible là. Booster un peu les enceintes. Et merci pour le reset Belvolia. Merci beaucoup pour. Oh, les 6 mois d'abonnement en niveau 1. C'est vrai qu'il reste plus que quelques jours pour le September. Donc, les 6 mois d'abonnement en niveau 1. Et après, on aura ça qu'à partir de demain, on a les gift subs pour moins cher.
Et ça, c'est beau. C'est marqué en fait, Ezreal. C'est pour ça que je sais que tu sais. Je sais, je comprends que tu sais pas de quoi je parle, mais c'est marqué. Je sais pas à quel point tu parles anglais. On est sur. Tu comprendras, quand je te le montrerai, on verra si on. Il faut que je le fasse, Ezreal, on verra ça. Bon appétit, elle vous profite bien. Et merci encore pour les 6 bons abonnements niveau 1. N'hésitez pas à profiter de September, c'est les derniers jours. C'est moi ou c'est nouveau la musique? C'est stylé. Que la musique elle est très bien, c'est juste qu'elle est un peu bug quoi. C'est une bêta. Il meurt même que j'ai le temps de les approcher les mobs. Donc ouais, je voulais passer Ajax 40. Voir un peu ce que ça donne, s'il se passe un truc spécial. Mon but aurait été de tuer le dévoreur en fait. Ah, oh, encore une. Ah, mais ils ont pas fini en. Ah, mais tout le monde est venu en B, ils ont la mis des. Niveau 39! Oh, ça va vraiment être très rapide. Hein. Résultat, j'aurais dû aller en A. Tout le monde a eu la même idée de venir en B. On est le plus lent. Ok. Le boss, on va lui fumer sa gueule. Ah putain. Ouais, les boss, ils font pas long feu là. Voilà. Ok. Alors, hop. Bon. Allez, c'est parti. Je vais aller en B. Est-ce qu'il y en a qui vont en A? Personne va en A, sérieusement. Moi, j'y vais en A, alors. Si, c'est bon. Il y en a qui vont... Let's go! To the mall. Today. Regardez-les avec leur putain de bulle qui se superpose là.
J'aurais quand même curieux de voir le mec avec la tourelle, c'est pour ça la Jaeber. Enfin, c'est. Je sais pas si on dit Jaeber ou Jaeber. Jaeber. C'est bon, on est deux ou trois ici, je sais pas combien on est. Je crois qu'on est deux. Ça, je crois qu'on s'est bien réparti, deux, deux, impeccable. Ah mais nous on a fini, c'est eux qui ont pas fini, hein, si ça va. Ok. Parfait. À nouveau. C'est bugué. Ah, ça lag. C'est vrai que sur les petits problèmes de lag à résoudre quand même. Le seul truc qui est technique qui était un peu en dessous, c'est qu'il y avait les petits lags quand même. Salut Shibo! Suite de Oathsword aujourd'hui. Oathsword, chapitre 3. Histoire puis combat cet après-midi sur Escanorosh. Et niveau 40, voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à voir maintenant, quand je reviendrai à la base, si j'ai reçu un joli petit courrier me disant les choses sympas. Et je vais aller faire le dévoreur aussi. Mais y a personne en C ? On n'est pas 4 fois là. Ah non, il y avait 3 zones, c'est juste qu'ils ont fini avant nous. Ok. C'est nous qui avons été là, d'accord. Ok. C'est bon. Salut Somakiroi. Bonjour à tous. Alors, c'est dimanche. Aujourd'hui, donc, je rappelle le live en deux parties. Oui, 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 Timbro, plusieurs. J'ai pu voir, notamment sur Steparo, il était déjà sur les boss en hard, dis-toi. Donc, bon. Ouais, les mecs d'été, hein. Et merci au Lolicon. N'hésitez pas à aller voir le September. Merci beaucoup pour le Prime, ceux qui sont déjà sub. N'hésitez pas à aller voir le September si vous voulez rester sub pour moins cher. Point d'exclamation, September. Et merci Shibo pour le 42e mois d'abonnement niveau 3. Je sais pas si t'as vu Shibo, pour les gens notamment en T3 comme toi, tu peux rester en T3 pour beaucoup moins cher. Ah mais y'a le boss déjà. Très bien. Ah, je vais pas tomber non plus, hein. J'ai juste dit que j'ai vu les gens tomber effectivement. Mais oui, il est super chaud. Hein. Non, moi je. Non, non, je vais arrêter là pour un pas. Et merci Traskami pour le 5e mois d'abonnement. Donc 4 consécutifs, merci beaucoup. Je vais arrêter là, je voulais juste passer 40 pour aller tester un truc. Là. Eux ils continuent. Sans moi, pas de soucis, hein. Ok. Ça va tranquillou. J'ai fait un petit débrief sur le fait que j'ai été invité donc par Capcom hier. C'était... Enfin, hier jeudi. C'était plutôt chouette. De toute façon, vous aurez tout ça sur les réseaux. Alors.
Donc, Ezri, on va voir si on se comprenait ou pas. Non, justement, voilà, on ne se comprenait pas, Ezri, bien ce qu'il me semblait. Donc, non, Ezri, ça, tu ne le gardes pas. En gros, quand tu reçois un certain mail, t'es toujours là ou pas, Ezri? Que tu vois au moins de quoi je parle. Le problème, c'est que là, j'ai pas, moi, j'ai supprimé les mails, j'aurais dû les garder. Pour montrer ce que t'es toujours là, Ezri. Salut, Fab Fab! Donc, non, ça, on ne devrait logiquement pas le garder. Ok. Donc, en gros, Ezri, il y a des mails qu'on recevait en mode vous avez atteint le niveau 20. Félicitations, vous aurez donc une récompense pour ça à la sortie du jeu. Voilà. Alors, peut-être que ça, on le gardera. Hein. Peut-être que je me trompe et que ça, on le gardera. Mais en tout cas, il y avait vraiment un mail en fait qu'on atteignait un certain palier en jeu, notamment le niveau 20. Un peu comme avec Diablo. Vous savez, on avait une récompense cosmétique à la sortie du jeu. Ben, là, c'est le même principe. Voilà. Alors, énergie, gold. Wow, il fait plein de trucs. Ok. Alors, attends, est-ce que j'ai eu des armes plus stylées que les miennes? Parce que là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir les armes de haut niveau. Un peu frustrant. Ok. Quest, hein, c'est quoi ça? Talk to the. Encore? Ok. Il doit y avoir une histoire, mais il m'a filé vraiment beaucoup de thunes. Et de compo. Skin shop. Je sais pas s'il y a d'autres trucs derrière, tiens, pour Ajax. Full body skin. Midnight Wave. Excusez-moi. Je vais acheter ça pour Jabber. Et Weapon Skin Shop. Ah oui, il y a même des. Ok. Ok, donc mon petit Ajax, il est passé niveau 40. Ça, c'est cool. Ici, assign module socket. Ah, c'est nouveau ça. Ah, putain, encore un autre truc. Attends. Oh, ok. Tu sais, Lucas, les slots. Où il y avait les plus et les types de slots. On peut modifier les slots. Pour qu'ils coûtent moins cher, donc en tel ou tel truc, quoi. D'accord. Oh, bordel. Ok. Et donc là, les armes. Oui, non, j'ai rien eu de. Rien eu de bien intéressant. Ok. Voilà. Ouais, c'est dur d'avoir du loot au-delà de niveau 36. Hein. Pas simple, simple. Bonjour, Tilu. Et là, on a eu quoi de beau? Hop, les compos, très bien. Les nouveaux modes, rien d'intéressant. Ok. Bon. Eh ben écoutez, on va aller re-essayer le dévoreur. Parce que j'étais quand même déjà bien petit pour ça. Je sais pas si vous. Tiens, Team Bro, t'as réussi toi à avoir les armes niveau 36 plus ou pas? Enfin, au-delà de 36? Je sais pas si. Je crois pas qu'on puisse. Que je vois l'émission là, elle file du 33. 34, 32. C'est ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse. On va aller faire un petit try sur le dévoreur. Il tombe, tant mieux. S'il tombe pas, c'est pas grave. On ira juste tester Jaber pour la science. Bonjour Akavax. Ok. C'est parti. Donc là, il faut vraiment qu'on le démonte en 2-2. Que
Le problème du dévoreur, c'est pas ses points de vie. C'est sa régène. À l'interface, quand il fait ses boubous et tout, c'est un peu l'enfer. Ah la putain, putain, j'avais dodge quoi. On va essayer d'aller lui péter son armure. Voilà. Allez, lâche. Monster Hunter style. Ah, je l'ai eu. Et donc là maintenant, il faut vite aller détruire les boucliers. Dès qu'il les fait, faut préparer. Merde. Putain de merde. En fait, sur lui, il faudrait mieux un shotgun en soi. Pour justement détruire ses. Mettre ses ultis sur. Mettre son ulti côté arme dessus, quoi. Ok, les boubous. Parfait. Putain, mais les points de vie que ça a, bordel. C'est un délire. Let's go. Ok. Oh là là, il se régène tellement. On va l'aider. Ok. Putain, c'est que j'ai plus de balles. Ouais. Donc là, il s'est remis full life, on était trop lent, c'est un délire. Et GG, Tilu, pour l'abonnement FF14. C'est bon. Ok, et on est reparti dessus. Y'a pas de soucis, c'est avec plaisir, Tilusia. Ok. Ça se trouve, il le fait peut-être qu'une seule fois en fait. C'est ça la question. C'est est-ce qu'il le refait à chaque fois qu'il perd sa vie? Parce que s'il lui fait qu'une fois les shields, on a le temps de le tomber. Hein. Sauf si je me fais péter. Eh merde, il m'a eu. Il le fait à chaque fois, c'est relou. Ah ouais, donc... Ok. Ouais, je vois pas comment l'avoir alors. Effectivement, je vois vraiment pas comment l'avoir dans ce cas-là. Ou alors, faut un DPS vraiment monstrueux en fait. C'est... Que tu sois pré-placé, c'est une chose. En fait, t'es 4, donc je pense qu'on doit chacun one-shot son truc, mais il faut un DPS colossal. C'est ça qui est ouf, quoi. Puis quand tu vas pour détruire les bornes... Ouais, mais alors, ça, c'est pas tant le souci. Les bombes, c'est un problème, et c'est pas tant le problème, c'est qu'elles ont beaucoup de points de vie, en fait, le bouclier d'acide. Enfin, les boubous. En fait, faut qu'on soit pré-placé. Et genre qu'on ait, ouais, un bon... C'est vrai qu'avec un bon gros de shotgun, par contre, ça doit fondre... Ça doit fondre les trucs. Et encore.
Il a refait les boubous là, c'est ça? Ah ouais, non. Ouais, non, c'est. Avec Kai, j'arrive à OS. Ah, t'as réussi à choper Kai toi déjà? Bah, GG. Ah oui, d'accord. Ah ouais, t'en es à un autre niveau alors, toi. Ok. Et avec ça, vous n'arrivez pas à le descendre? Ou c'est les trois autres chez toi dans ce cas qui sont trop lents? Parce que si tu peux les one-shot, c'est ouf quand même. Attends, fais voir, mais. Ouais, non, je suis loin de les one-shot, hein. Mais tu fais combien de dégâts? Réponds-le à ma question pour la QEZ, Team Bro. C'est quoi, t'as amélioré un truc particulier ou t'as eu des armes 40, ça se passe comment? Parce que OS, c'est que tu t'as farmé. Mais farmé quoi? Ça répond pas mal. Oh non, mais ça sert à rien. Moi, je veux bien farmer, mais farmer quoi? C'est quoi? C'est tes modules que t'as amélioré? Parce que les armes, elles sont 36, tu vois? Parce que oui, on peut aller avec les modules, on peut gagner du DPS, y a pas de doute. Clairement, avec les bons modules, hein, tu peux faire des choses assez sympas à côté DPS. Il est sensible à quoi donc le boss d'ailleurs, tu vois. Salut Apista. C'est ça, il est sensible à la foudre. Peut-être que c'est là où le Thunder Charge intéressant. Qui elle est justement fait du de l'électrique. Les deux en vrai. Oui mais ça. Bon c'est pas grave, laisse tomber Timo. Je pensais que ma question est simple, je sais pas comment la former autrement. Je sais qu'elle est 36, mais ça, je peux l'avoir aussi, Thundercat. Je laisse Thundercat, je la mets 36, je prends une arme, je la mets, basta. C'est pas ça ma question. C'est que... Bref. Après, peut-être que je me rends pas compte à quel point, effectivement, les dégâts de foudre font plus mal sur lui. À checker. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire vite fait pour avoir une arme de mon niveau? En montant le niveau des armes. On peut pas monter le niveau des armes. On peut transmettre un level, mais pour transmettre un level, faut choper une arme plus de... Enfin, faut choper une arme... Bref. Vous transmettez un level, c'est-à-dire que si t'as une arme 36, tu peux mettre une autre arme qui soit 36, peu importe son level avant. Mais on n'a pas pu monter, donc, au-delà de 36. On va les tester, Yabber. On va aller le découvrir vite fait. En tout cas, pour l'instant, VSA était vraiment sympa. On va aller tester ce bon vieux Yaber. Tiens, on va aller faire suite Vesper. On va le pexer un peu. Alors. Voyons voir un peu ce qu'il fait de beau, ce bon vieux Yaber. Passive skill. La proficiency, et je ne sais pas ce que ça monte. Toi, tu parles de ceci ici. Attends. Tu parles de proficiency niveau 15. Ça ne monte pas le niveau, ça monte quelque chose. Effectivement, quoi? Je ne saurais pas te dire. Peut-être que quelqu'un sait dans le chat. Hop. Putain. Ok. Let's go. On va aller peck Jabber, voir un peu ce qu'il donne. Parce que là, pour moi, la seule manière de gagner vraiment du DPS, de ce que j'ai pu en voir, c'est... Comment ça s'appelle? C'est... putain, d'améliorer mes modules, quoi. Il sait qu'on est de là-dessus, donc ça, c'est améliorable. C'est juste d'améliorer les modules. Oui, ça monte en les jouant, mais après, j'ai pas vu. Peut-être, je n'ai pas vu. Là, à la limite, il faudrait que je refasse un truc avec Ajax, que je prenne effectivement Thunder Cage. Il me faudra un gros shotgun aussi épique, plutôt. Ici, parce que le, je pense que ça va être vachement mieux le shotgun pour détruire les petits trucs, donc bon. Ouais, c'est parti, faut aller où?
Attention, we have an urgent situation. The Vulgus are making moves to mine Kuiper. It would be embarrassing to lose Kuiper to them in a zone that we control. I'm not sure if the Vulgus are being very bold or completely idiotic. Either way, send them my regards when you annihilate them. Over and out. Ok, donc j'ai les tourelles avec moi. Ah oui, par contre, ouais, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai fait de la merde, attendez. Merci. J'ai fait du caca. Je pensais que je passerais plus vite. Donc il y a une vraie différence, ok. Je vais me mettre un peu en retrait. Ah mais j'ai encore oublié de mettre mes modules de descendant parce que je suis un gogol quand je prends héros. Chose qui change pourtant de ouf la donne. Ok, je peux mettre une tourelle de heal et une tourelle de DPS. C'est sympa. Ok, donc A c'est la tourelle de DPS, E c'est la tourelle de heal. Est-ce que je peux lui mettre des modules maintenant? Peut-être. On va mettre les premiers modules que je vois, peu importe ce que c'est. Voilà, ça va déjà aider. Putain, j'arrive pas à passer. Ah merde alors. J'arrive. Like the old saying goes, too many cooks spoil the broth. Fuck. Je suis trop loin, je pense. Et niveau 4. Bring it. Allez. Parfois les tourelles veulent pas sortir, je sais pas pourquoi. What the? Ah merde. Ouais, les mobs sont un peu plus haut niveau. Bon, je fasse gaffe, faites plus en arrière. Et là, ici, en plus, les armes que je chope, c'est du... Ah, là, c'est directement du 34, donc... Ok, donc non, les loots qu'on chope est lié à l'endroit et pas à notre niveau. D'accord. D'accord. Salut Ririn, ok. On est maintenant à la confirmation. Bon. Multi-purpose gun, voyons voir ça, ça fait quoi? C'est tout? Enfin, incroyable, hein. Salut Malmort. J'ai l'impression que Jabber, c'est un peu une sorte de soutien. Hein. En fait, je crois que je me suis fait eu sur leur marchandise.
Moi, j'imaginais des mecs, un mec avec des toiles de ouf et tout. Bon, exclamation TFD, malement. J'imaginais des mecs avec des trucs de ouf et tout. Enfin, des tourelles de ouf et tout. Voilà, laisse tomber. We found their commander. Finish him and end this operation. My shield is down. More important than the turrets. Attendez, je vais me barrer parce que je suis un boulet là. Non, non, mais là, sûrement Scarve, mais c'est pas. Là, le personnage est pas pour moi et là, j'étais trop bas level. J'arriverais pas à faire quelque chose d'intéressant. J'étais vraiment trop trop bas level et le perso est vraiment vraiment pas pour moi. Salut Creep. Ok, donc Kyber en fait c'est une sorte de soutien. D'accord. Et ça c'est quoi? Switch Kyber 1-1. C'est ça, il booste les tourelles. Reactivate. Ouais, non, clairement pas pour moi. Ça m'emmerde. Juste à le lire, ça m'emmerde. Au moins, j'ai testé, je le sais, c'est pas mon délire. On va reprendre Viessa. Plus, elle a un skin trop stylé comme ça, elle a plus son cuissin. Et on va aller refaire Vesper. Maintenant, je suis quand même déjà un peu plus au level avec elle. Allez, je veux des armes 36. Et on va essayer d'améliorer un Thunder Cage et autres. On va voir à quel point. C'est vrai qu'il est peut-être sensible vraiment à la foudre. J'aimerais bien choper un shotgun aussi épique. On va voir ça. Teste un dernier truc, et ensuite, si ça passe, si j'arrive pas à faire ce que je veux, on va aller sur... on va aller sur... sur Warhaven. Alors. Ok. Ici j'ai eu quoi de beau? Ouais, bah les couilles. Et là, bah les couilles. Ah, j'ai eu les tonfa, tiens, c'est nouveau, j'avais pas vu. Tiens, on va voir si c'est les mêmes à chaque fois. Est-ce que ça pop à droite ou pas? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Attention. Pas du tout. We have an urgent situation. The Vulcans are making moves to mine Kuiper. Ah! Embarrassing to lose Kuiper. Excusez-moi. In the zone that we control. I'm not sure if the Vulcans are being very bold or completely idiotic. Either way, send them my regards when you annihilate them. Over and out. Alors, hop. GG Team Bro. Qu'est-ce qui a changé alors? T'es tombé avec des mecs qui tapent fort? Et toi aussi, tu tapes plus fort? Deux Bunny, Sharen, un Kyle. Ah mais ouais, Bunny avec sa foudre en même temps, elle doit lui faire mal. C'est vrai que Bunny avec sa full foudre, elle doit lui faire très très mal pour le coup.
Constant dégâts de foot, ça doit éclater le boss. Vous l'avez descendu en combien de phases? Ah, possible, ouais, pour Charen. Bon, c'est un voleur, donc c'est vrai que ça me mange pas plus que ça, mais c'est pas faux. Deux phases de bubble, ok. Genre, et il s'est remonté à combien après la première phase? Ok. On n'a pas de barre d'XP du perso, hein, je suis pas fou. Hein. Ouais, j'ai pas vu. Comment tu sais? J'ai léché en tout cas. Ah oui. Ouais, peut-être avec leur truc où elles tournent autour et elles font les vagues de... d'électricité. Ça doit jouer. Et on entend Bunny courir partout et se marrer. Ah, c'est le boss, merde. J'ai pas vidé. Comment ça, immune? Attendez. Ce bordel. Mais... Ok, mais ouais, donc dans ce cas-là, eh ben, ils ont dû jouer en mode en fait en full foudre quoi. Et Kai, donc par contre, toi tu l'as farmé celui-ci. Ça GG à toi pour le coup, putain. Est-ce que... Oh merde, attendez. Oh, ça a recommencé, j'avais pas vu.
Oh, nice. Merde. Ouais, je vois les box, mais j'ai pas. Je sais pas trouver. Mais oui, je pense qu'une fois que tu sais où c'est, ça va plus vite. C'est vrai que j'ai pas spécialement. Après, j'ai pas spécialement regardé hein, où ça tombait. Hein. Je me dis tant pis, je le testerai à la sortie. Hein. Parce que ouais, il me branchait bien, Kai, mais c'est vrai que pas du tout trouver les. Pas trop pris le temps de tomber les box, quoi. Putain, mais les deux bunnies, quoi, qui gloussent depuis tout à l'heure, c'est infernal, les bunnies. 2024. C'est tout. Après cette game-là, on va aller sur War Even, le chat. 2024. Ah, j'aime vraiment bien les guns, hein. Je dirais premier semestre, moi, mais bon, c'est possible. La bêta est vraiment est excellente. Hein. On est sur une bêta super qualitative en termes de finition. Enfin, je veux dire, quasiment pas de bug, même aucun bug, aucun crash. Un jeu extrêmement bien optimisé. Gros contenu. On n'est pas sur de la bêta trop early, tu vois. Elle est clean, celle-là. Salut, Yulis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. On est sur quelque chose de très clean. Ouais, bon, ça peut un petit premier semestre, ce sera bien. Insupportable à glousser les bunnies, hein. C'est. Non mais ce cul quoi, on voit que ça, JPP. Pas le mon perso hein, de bunny. Bunny, ils en ont vraiment fait un fantasme de mec, hein. C'est. Genre le. Ils en ont fait une poupée quoi. Le mec qui l'a créé bunny, il l'a dessiné, il joue à une main. Hein. Enfin, il l'a fait à une main. Hein. Putain. Terrible.
Ah, c'est un délire. J'ai fait un truc avec, hein, j'ai fait un donjon avec. Quand elle est, tu sais, quand elle est à moitié morte, quand elle est au sol, elle a le cul tellement relevé, on dirait vraiment qu'elle t'offre son trou de balle, hein, c'est un délire. C'est mais vraiment, enfin, en mode, là, je suis pas en mode gros bouffe, je suis en mode. Les gars, quand vous faites un personnage, évitez de la penser parce que vous avez envie de vous branler, quoi. Faut. Prenez un peu de recul. Elle a sa place dans un hentai, hein, pas dans un jeu, Bunny. Connaissent bien leur audience. Ouais. Ça doit être ça. Salut random, le cul fait vendre. Ah, jusqu'à un certain point, mais oui, effectivement. C'est juste que, non mais, les personnages sexy, on en a toujours eu, pas de problème. Elle, elle est au-delà de ça, elle est, je te dis, elle est à la limite du hentai parfois, hein, vraiment. Oui, mais ça c'est parce que les hommes sont des porcs. Là, là c'est pas une question d'être un porc, c'est une... C'est... Comment dire, c'est juste que ouais, c'est... Ils l'ont fait avec une main dans l'entrejambe, quoi. Et pas que. Tu m'étonnes. Ah, putain. Déjà la mienne, regardez ça quand elle est, hein, mais voilà, quand elle est au sol, c'est déjà ridicule. Donc bon. Bunny, c'est pire, quoi. Elle a vraiment les fesses écartées et tout, hein. C'est hallucinant. Bon, est-ce que j'ai une arme 36? On va voir. Je vais voir si j'ai une arme 36. Si c'est le cas, je passe Thunder Cage et j'améliore mes modules. Si c'est pas le cas, Balek et on va sur Overhaven. On va voir ça. Alors. J'ai pas eu d'arme 36. On check, hein, mais logiquement... level... Ah si, j'en ai une 36. Ah, on peut tester un truc. Alors. Bon, on va les tester alors dans ce cas-là. Allez. Alors. On va repasser donc sur notre bon vieux Ajax. Voilà, on va donc équiper Thunder Cage, et on peut équiper aussi ici Nazestra Devotion, hein.
Et j'ai eu un shotgun ou pas? Explosive. Est-ce que j'ai eu un shotgun qui sera très bien ici. Gangster. Ah non, pas du tout. Oh si, ce sera toujours mieux en vrai. Okay. Bon. Alors, c'est parti. On va aller faire des compos et tout. On va mettre du module. On va voir tout ce qu'on peut faire pour améliorer et vraiment donner le maximum de chance, quoi. Alors. Alors. Qu'est-ce que je peux mettre debout en module? Voyons voir ça. Base, fire rate, moins 10%. Et fire. Non, Chamberlain, Chang Wimpunt, non. Ça c'est pas mal. Reload, ouais. Ouais. Weak point, ouais, à la limite. Mais bon, fire rate, je pense, ouais, plutôt. Voilà, sharpshooter, toujours. Le rifle enhancement, oui. Ok, je pense qu'on est bon comme ça. Voilà, et lui. Parce que 18, 17, ouais, j'ai quand même un peu amélioré ces armes-là. Tiens, attends, est-ce que j'ai un module à lui mettre? Ouais, max capacity, j'ai un energy reactor. Hop. On va les améliorer, hein. C'est bon, c'est ma dernière run. Hein. Donc autant utiliser ce qu'ils nous ont filé. C'est maintenant ou jamais. Ah, je peux le réaméliorer, attendez. Ah ouais, non. C'est genre quoi, ça? Attendez. Je teste au pire, hein, juste pour voir. Voilà. Ok. Tiens, leur socket. J'en ai ou pas les comme ça, les rutiles, ouais. Sub-attack. Le heal, en vrai, pas si mal, peut-être, pour le boss. L'empêcher de se healer. Alors, ici, j'ai pas un truc qui pourrait m'aider. Machine gun. Machine gun. Shotgun. Ouais, mais non, ils sont plus bas. Ok. Là, là, ok, ok. Bon, bah ici j'en ai pas des masses, donc c'est rapide. Alors, les modules maintenant ici que je peux mettre. Ah, mais j'ai déjà tout mis en fait. Ça m'étonne que j'en ai aussi peu, attendez. Ah, mais non, c'est parce que je suis en socket, putain. Mais ouais, de toute façon, là j'ai bien mis ce que je voulais, ceci dit. Ici, non. Si je me rappelle pas avoir mis ce que je voulais. Non, basse firette. Ça c'est mieux. Ok. C'est fire attack plus 1. Putain, il fait mal le gun. Petit. Très bien, fire critique plus 5. Voilà. Ok. Le rifle enforcement, on est bon. T'as passé toi tes armes en foudre ou pas en plus de ça? Je sais pas, ça vaut le coup en vrai, je pense pas. Ok, alors maintenant, on va aller faire le phase exchanger. Je lui dis, on va tout faire pour tomber ce dévoreur de con là. Alors, x5, research. On valide.
Voilà. On a refait 1 x 5. Oui. On valide. Et ensuite, on va aller tout donner pour améliorer les modules de dégâts. On améliore les armes. Alors, je veux la Thunder Cage. Et on va lui mettre donc le 36. Voilà. Ensuite, on va aller prendre le gun et on va lui mettre le 35. Voilà. Ok, ça c'est bueno. Ok. Et maintenant, le dernier truc à faire, c'est les mods ou le réacteur, tiens. Hey there. What can I help you with? Next module. Alors, qu'est-ce qui peut faire la donne? Real life, c'était quel qui a distillé le sharp? Weekend recovery. Ah, ça réduit le cooldown, d'accord. Donc, par exemple. Ok. Je l'ai mis à fond en fait dans les. C'est que je l'ai mis en permanence là. Bah, si je comprends bien la descendante module. Ah oui, voilà. En gros, tant que je tape au cac, il a 50% de heal en moins. Ça va peut-être aider sur le boss, ceci dit. Faudra que je sois au cac, mais ça peut aider pour le boss. Hein. Qui se heal moins pour le coup, ça. Ensuite. Ah, j'ai pas mis. Attendez, j'ai mis les modules ou pas pour one-shot gun résultat? Bon, ça c'est beaucoup mieux. Tiens, bon, on va le hop. On va le booster, je vous dis de toute façon, c'est mon dernier. On prépare tout, hein, tous les compos qu'on a pour le boss. Alors. Oui. Non mais écoute, là, je veux juste des dégâts. Tout ce que je veux, c'est des dégâts. Non, c'est même pas du. Arme. Je veux du gros dégâts. Ah, je peux mettre les deux, rifling et électrique. Oh. Oh, je ne savais pas. Ok, tac. Est-ce que je peux mettre? Ah oui. Là c'est pareil. Voilà. Alors. Ok, maintenant ici. On va le booster. Voilà. 3. On va tous les booster de 5. C'est vrai que les mods, ils améliorent quand même beaucoup de choses. Hein. Les modules, ça fait tellement la diff en vrai. Là, ça me booste toutes les armes. Ok, qu'est-ce qui peut faire la diff encore? Celui-là. Salut Xelanos! Ah bah, je suis bien d'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retourner tout à l'heure.
Ah, je peux plus améliorer, hein. C'est le shotgun, je pense. Ok, le shotgun, il est à fond. Ok. Ah, c'est qu'il coûte moins en termes de capacité, lui. D'accord, non, non. Ouais, les modes transformés, ça coûte cher. Un Pookie? Pookie, je dois avoir Raven. Bon. Ah oui, non, c'est une blague, oui, parce que c'est un autre. Ah, d'accord, ok. Je me disais, chelou. Il y avait un truc chelou, Base Fire. Ok. Attends, c'est lequel que j'utilise? Ah, c'est celui-là, qui est sur le gun, là, ouais. Attendez. Oui, je joue tout seul en secret. Pookie, prends tes billets avant d'oublier, s'il te plaît. Alors, sur la Thunder Cage, il y a de quoi faire. Bah pourtant, je comprends pas module capacity. Même là, pourquoi il me dit que je suis full? Bah, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le dernier try sur le dévoreur. Sûrement sur une autre arme. Mais j'ai essayé toutes les armes. Non, non, aucune des trois. Bonjour Smiles, regarde, aucune des trois n'est à fond. 43 sur 73, 44 sur 73 et 52 sur 73. Pour ça, c'est... Et j'ai pris que le truc équipé. Hein. D'où mon incompréhension. Parce que ça serait bien quand même de... Là, c'est que les modules équipés en plus, donc bon. Ah, ça prend aussi dans mon inventaire. Attends, on va résoudre le problème dans ce cas-là. Ça roule. Dans ce cas-là, on va résoudre ce problème. 8. Ok. Hop. Ouais, non, mais écoute, peut-être. Non. Eh non, ça peut pas être ça. Attends, on va tout enlever. Comme ça, on est sûr. Voilà. Ta proposition, ta supposition était envisageable. Là, comme ça. On peut pas se tromper. Là, je n'ai plus que... Attends, et mon personnage, moi, il en est où? Alors, même lui, il a encore de la marge. Bon. Donc... donc... Ok, technique manuelle. Fix shot. Fire rate. Voilà. Marksman. Ah. Oh. Oh. On va améliorer tout ce qu'on peut écouter. Hein. Hop. Les rifles, j'étais tous améliorés logiquement. Increase HP, tiens, attendez. Ça, c'est mes trucs à moi. Ça va peut-être le coup d'améliorer mon perso. Voilà, plus de points de vie. J'ai déjà amélioré le. Ah, le shield, j'avais pas encore amélioré. On va aussi améliorer mon shield. Voilà. En vrai, bien utile. Ah, ça y est, moi je suis full.
Ok. Moi, ouais, je suis full de chez full, je crois. Ok, ça, c'est mon perso directement. Ça, c'est full aussi. Ça, je vois pas la différence. Quasiment plus de compo. C'est qu'on a bien bossé. Def accélérant, c'était stylé ça. Ok. Non. Non. Bon, bah je comprends pas comment ça marche. Lui, par contre, je peux le full améliorer. No idea du pourquoi. C'est full mystère là. C'est le full mystère. Ok. On est passé à combien là? 43 toujours. 47 un peu plus. Et là, 64. Lui, j'ai pu l'améliorer de ouf. C'est peut-être lié à la proficiency justement. Pourtant, lui, j'ai pas de proficiency donc non. Parce que, est-ce que tu sais, toi, d'ailleurs, Smiles, toi, à quoi ça sert la proficiency? C'est le seul truc qu'on n'a pas. Pas du tout trouvé. C'est en gros le pexing de l'arme, mais bon. Bon, en tout cas, je fais full dégâts électriques. Allez, c'est parti pour le dévoreur. Let's go. Et ensuite, Warhaven. Voilà, je peux pas m'améliorer plus hein, pour le dev. Je peux pas faire mieux là. Ah! C'est choupi alors. Ok. Allez, c'est parti! Trente-trois, 38. Ok, bon. T'étais full 40, je suppose. On a une Viessa, Blair. On a zéro truc électrique spécial. On va voir ce que ça donne. Pourquoi je meurs? J'ai jamais eu autant de vie, autant de boubou et je me fais détruire et je sais pas pourquoi. Je me fais pulvériser et en mode full mystère quoi. Je comprends pas. J'ai l'impression d'être plus squishy que tout à l'heure, alors j'ai mis que des mu. J'ai amélioré ma vie et tout de ouf. Merde alors. Je suis épaté et pas en bien. Ah ça y est, les boubous. Ok. Oh, ça a tellement de points de vie. Laisse tomber, hein, c'est. Laisse tomber, on l'aura pas. Ça sert à rien, on a même pas tombé son truc. J'ai l'impression que donc c'est un timer, c'est pas une barre de vie, ok. Et moi je me fais déchirer. Bon, bah tout ça pour rien. Tant pis! On va aller sur Wyvern. Tant pis. J'ai pas tout compris. Je tenais beaucoup mieux avant. J'ai amélioré tous mes modules de points de vie, de dégâts, tout le bordel. Et après, bon. Genre j'ai mis des trucs qui ont beaucoup plus de défense, de points de vie et tout. Et je me fais détruire la gueule. Max HP 340, défense. Attendez. J'ai foutu. J'ai un truc sur la def ou quoi? Def plus 38%, HP heal.
J'ai l'impression d'avoir moins de défense qu'avant. Il me semblait que j'étais genre à 600 et quelques de défense avant. Genre mes stats, qu'elles sont faites avec la taxe. Bon, j'en sais rien, écoutez. Tant pis. Les dégâts, j'ai pas compris. Ah, non, non, bah ça serait débile. Mais non, sinon il y aura pas de progression. Allons bon. C'est pas grave, go tuer des gens sur Warhaven. Ce sera plus simple. Warhaven. Papa. Drop. On tape. On tape déjà. Découverte. Voilà. Ok.